La soeur est en face de vous, pasteur. Elle est chrétienne. Elle veut se convertir ou bien retourne à l'église. Son enfant est mort tout de suite sans croire en Jésus. Alors qu'il a le péché adamique. Il va à l'enfer ou bien il va au paradis? Eh bien, je vous l'ai dit, mais vous ne l'avez pas entendu, Diane. J'ai dit, il y aura une résurrection tant des justes que des injustes. Voilà. Les injustes iront où? Sur la terre. Et les justes iront où? Sur la terre. Selon vous ou bien selon la Bible? Selon la Bible. Quel passage le dit? Parce qu'il y a la Bible qui parle du paradis et de l'enfer. Vous vous dites, non, l'enfer et le paradis est sur terre. Mais on est dans quel monde là? Non, c'est... L'islam est doué. L'islam, non. Ma soeur, moi j'attends, c'est toi qui décides. Le salut, il est personnel. Il ne s'agit pas de suivre papa à l'église et puis aller en enfer demain. En toi, il n'a même pas pu être capable de nous prouver que Jésus est mort pour nos péchés. Ça, c'est un problème. Maintenant, paradis et l'enfer. Jésus même parle du paradis. L'homme de Dieu, vous me dites que non, le paradis est sur la terre, l'enfer est sur la terre. C'est compliqué. Non, je vous ai... Diane, je n'ai pas dit que l'enfer est sur la terre. J'ai dit que le paradis est sur la terre. L'enfer est où? Et je vous ai dit que il n'y a pas d'enfer tel que on enseigne l'enfer aujourd'hui. Un lac de feu où les gens sont brûlés, où Dieu fait brûler les gens toute la vie. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire concernant Dieu? Un Dieu d'amour qui se... Dieu est amour, dit la Bible. Mais Dieu, il va attends. Prendre des gens, il va les faire brûler. Attends. Quand leur peau est bien brûlée, il va leur remettre une nouvelle peau, donc, les refaire brûler. Donc, attends, quelqu'un prend l'enfant de votre, toute votre famille, il les tue, il fait des sacrifices humains, il vient trouver la famille de l'autre, il les tue, il a commis toute sa vie en train de, il a passé toute sa vie en train de tuer les enfants des gens, la criminalité dans le monde. Et vous dites qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y a pas d'enfer. Et puis lui, donne-lui au jour du jugement, non, lui, ça va comme ça. Mais le pire pour un homme, Diane, c'est de ne plus vivre par rapport au projet de Dieu. Mais quand il est mort là, donc c'est fini quoi. Il est mort, c'est fini, on ne le juge pas, on ne le condamne pas, alors qu'il a fait tous les crimes dans le monde, et puis c'est fini. Est-ce que je peux vous poser une question? Ma soeur, qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulmane? Parce que vous venez d'écouter tout. Aujourd'hui, rien. Si vous voulez devenir musulmane, levez l'index droit tout de suite. Sinon, à part aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que vous le ferez. Répétez après moi ce que je vais dire tout de suite. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Abtabir, c'est fini, ma soeur, tu es musulmane. Beaucoup. Merci également à la sœur pour sa sincérité, pour son honnêteté. Elle m'a fait pleurer ce matin parce que là, ça vient de son cœur elle-même. Elle a découvert cette vérité-là. Je pense que on va en parler le reste hors antenne, Inch'Allah. Et Anaël, ce que je vous encourage, c'est à bien étudier la Bible
continuez d'étudier la Bible. Inch'Allah. D'accord. Et ce que je vous encourage aussi, c'est toutes les questions qui ont été soulevées par Diane concernant la traduction, notre traduction, nous avons les réponses. Vous pouvez faire beaucoup de recherches et même Diane, je vous encourage à visiter le site jw.org. Non, vous invite à aller regarder la DDR, tous les sites, oui, parce que les sites que vous donnez là, ça va amener les gens à la perdition. Vous n'avez même pas pu être capable de dire ici que Jésus est mort pour nos péchés. Et vous voulez donner un site pour aller encore faire perdre les gens encore? Non, arrêtez ça, pasteur. Vous devez plutôt vous convertir. Vous devez plutôt être sincère pour vous convertir. La soeur était là pour voir si vous allez vraiment prouver. Je ne m'attendais même pas à ça. Elle était la modératrice de l'émission. Mais elle sait que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que vous ne répondez même pas à une question précise. Ce que vous dites à l'église, parce qu'à l'église, vous n'êtes pas habitué à ça. Que quelqu'un vous contredise. Que quelqu'un vous affronte. Donc vous prêchez et tout le monde vous écoute, personne ne dit rien. Mais c'est pas ici, c'est pas comme ça. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, ils vont ouvrir. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Non, ne faites pas ça, merci beaucoup. On va se retrouver plus tard, on va organiser un autre échange sur un autre thème, Inch'Allah. Et puis on va se retrouver, Inch'Allah. Les témoins de Jéhovah n'est pas de débattre, mais... Non, mais il faut débattre pour pouvoir découvrir la vérité. Si on ne débat pas, on n'allait pas savoir que vous n'étiez pas capable d'éprouver le contraire de ce que j'ai dit. S'il n'y avait pas de débat, tous les fidèles vous suivent, ils pensent que vous êtes dans la vérité. Voilà aujourd'hui une fidèle qui est là, le pasteur n'a même pas pu prouver quoi que ce soit, surtout devant un musulman. Ah, ça vous dit, non, vous dites que le paradis n'existe pas. Non, c'est pas la peine. Non, c'est bon. Je pense que... Vous avez dit des choses et je vous le redis. On va revenir dessus plus tard. On va revenir une prochaine fois. Juste, Diane, juste je vous dis une chose. Ce n'est pas parce que je n'ai pas répondu que je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Et que je n'ai pas la réponse, d'accord? Mais pourquoi les versets bibliques sont coupés? Qui vous a donné le droit de couper ces versets-là? Mais il faut du temps pour répondre à cette question. Mais vous êtes pasteur depuis près de 20 ans. Vous dites qu'il faut du temps. Près de 20 ans, vous êtes pasteur? Non. Quand je dis il faut du temps, c'est pas qu'on n'a pas les réponses aujourd'hui, on les a. Mais donne alors, donne les réponses alors. C'est ce que je suis en train de vous dire, Diane, je les ai pas sous les yeux. Mais les réponses, elles existent. Mais il faut les chercher. Et donc, il faut un peu de temps. Ça veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc, la prochaine fois, avec l'aide du Saint-Esprit, faites l'effort pour venir répondre à ces questions-là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je ne crois pas. Mais c'est Allah qui est fort. La modératrice est chrétienne. J'ai su dans ses gestes, dans ses faits et gestes, lorsqu'elle était en train d'être touchée par ce que je disais par la grâce d'Allah, c'est là que j'ai compris, non, attends, il faut que je pousse un peu le bouton un peu plus fort, plus loin. Et j'ai tenté, par la grâce d'Allah, ça a marché. Allah Akbar. Ça, c'est la victoire de la communauté musulmane. Vous voyez? Les résultats matin là, c'est l'islam qui gagne. Merci à vous, vous étiez près de 3000 personnes connectées ce matin, dans le mois de Ramadan. Merci beaucoup, qu'Allah vous récompense, qu'Allah nous récompense pour ce que nous faisons pour toute la communauté musulmane. Vous êtes tous fiers d'être musulmans. Restez fiers d'être, wallahi, n'échangez surtout pas de religion. La fille là, c'est son pasteur, témoin de Jéhovah. Et le frère qui est en bas, c'est un musulman. Il essaie de convaincre la fille, elle ne veut pas. Il dit, bon, on irait organiser un petit poteau en débat ce matin, jeudi. C'est pourquoi je vous ai dans le programme depuis la semaine. Vous dites, non, ce jeudi matin, il y aura un échange. Et elle est venue. Dans la préparation de l'émission, on l'a proposé d'être modératrice en même temps. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est pourquoi elle chronométrait le temps. Et quand j'ai vu en elle, parce qu'il faut être un détecteur, en fait. J'ai vu en elle que... Elle baisse la tête. Elle fait ça. Elle fait... Il dit non. C'est là qu'elle est touchée. Elle est touchée. C'est en ce moment il faut tenter. Il faut tenter. Tu tentes. Alhamdulillah, ça a marché. On est en train de lutter dans la voie d'Allah. Avec votre soutien. Je le disais tantôt, nous avons 70 familles que nous allons servir. Les nourritures sont là. Tout, vous allez, Ismaël vous a montré tout hier. Grâce à vous, ceux qui se reconnaissent, qui nous ont soutenus, qui ont envoyé de l'argent pour acheter la nourriture pour ces personnes-là. Vous avez vu, les choses sont là.
On va aller sur le terrain pour donner à ces familles démunies. On va filmer ceux qui accepteront d'être filmés. On va laisser ceux qui ne refuseront. L'objectif de filmer, c'est quoi? Celui ou ceux ou celles qui ont donné l'argent pour qu'on puisse distribuer aux démunis, de sa position, verra vraiment, j'ai donné mon argent, c'est en train d'être donné. Ce n'est pas pour se faire voir, c'est en train d'être donné. Et la joie que ces familles-là vont avoir, ces personnes qui ont donné l'argent seront très heureux de leur position. Vous qui n'avez pas donné, doigt que vous avez fait, vous serez très heureux également. Même ne serait-ce que faire des bénédictions. Il y a un monsieur qui a appelé hier, il dit, j'ai fait bénédiction pour vous tous. C'est sa contribution. Il dit, Alhamdulillah, c'est très bon. Donc, merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du complexe islamique chargé de convertis. Voici une convertie encore. C'est le plus 225 07 47 32 04 55. 47, bon 07 d'abord, 47 32 04 55. Ismaël Aka, il est au plus 225 07 68 97 34 05.